Salut les amis! Alors aujourd'hui pour la quotidienne, on va vous parler du fenil. Ensuite Jean-Denis vous réserve une petite surprise. On va tenter de répondre à une question d'Arthur. Puis on va vous montrer une activité et poursuivre notre voyage en roulotte. En attendant, moi je reste cachée ici. Chut! Salut à tous! Ici c'est le fenil! Et vous savez, ce fenil, il a une histoire. Au début, l'école de Clairet, c'était une école. Et ici, eh ben, c'était les toilettes. Mais personne n'aurait envie de venir en vacances à l'école. Du coup, on a décidé, enfin Jean-Denis a décidé au début de l'école de Clairet, d'y mettre des animaux et de transformer ça avec les enfants en un fenil. Et voilà! Tous ceux qui ont leur anniversaire pendant le confinement, je leur souhaite un bon anniversaire! Ouais! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ah oui, c'est trop marrant! Attends, je vais t'expliquer. À l'époque médiévale, les hommes, majoritairement droitiers, portaient leur épée sur la gauche. Cela leur permettait de la saisir plus facilement de la main droite. La règle voulait que l'on se déplace à cheval sur la gauche des chemins. En effet, ils préféraient se croiser sur leur droite afin que leur arme ne se heurte pas. Il faut savoir que si deux épées se touchaient, c'était signe de provocation. Et donc, à ce moment-là, tout le monde se déplaçait sur la gauche. Puis, il y a eu un homme très important. Je suis Napoléon ! Un jour, il a décidé d'attaquer par la droite. Cela lui a permis de surprendre l'adversaire et de gagner beaucoup de batailles. Du coup, il a décidé d'imposer cette règle à tout son empire. Et maintenant, fais ce que je vous dis ! Et voilà pourquoi nous roulons à droite. Salut! Pour le lettre de la roulotte du jour, eh bien, vous aurez droit à la pêche au coquillage. C'est toujours en Bretagne. On s'était fait des amis là-bas qui habitaient près de la mer. Et ils nous ont emmenés pêcher. Bon, vous allez voir que moi, les coquillages, c'est pas mon truc. Salut!